Est-ce que tu savais qu'il existait une symphonie silencieuse? On connaît des symphonies aux mélodies complexes, ayant demandé des années de travail, mais là, on est sur exactement l'inverse. Tu l'as sûrement déjà entendu cet air. Que ce soit au Père Lachaise ou un lundi à 14h en province, la symphonie Monotone Silence a été créée par Yves Klein. Vous savez, le bleu, tout ça. Et rassemble 10 violoncellistes, 10 violonistes, 3 bassistes, 3 flûtistes, 3 oboïstes, 3 cornistes et même un chef d'orchestre pour jouer un accord de Ré majeur pendant 20 minutes. Puis 20 minutes de ça. Mais ce n'est pas tout. Klein, très friand des pinceaux vivants, a recouvert des femmes nues de peinture bleue pour qu'elles peignent un tableau géant pendant la représentation. Et oui, c'est ça l'art contemporain. Et est-ce que ça a marché? Eh bien oui. La symphonie Monotone Silence a été représentée dans des festivals de musique, des cathédrales, des philharmonies, enfin des concerts où on sort sans acouphènes. Et pour les plus audacieux d'entre vous, il y a Pierre-Henri et ses variations pour une porte et un soupir.